Bonjour YouTube! Ça va? Petite matinale, hein, bien sûr, n'hésite pas à venir sur le stream. Hein. On prend un café, on sait pas régler le stream et on arrive à la bourre. Voilà. Aujourd'hui, programme de cette matinale, tranquille, on va compléter le Pokédex. Et bah, mine de rien, j'avais bien avancé la dernière fois. Alors que nous voyons cette magnifique équipe qui nous a porté jusqu'au bout du DLC. Le Pokédex, qu'est-ce que ça dit? Alors, le Pokédex. Il dit qu'on a 188 Pokémon sur les 200 du Pokédex. Donc, j'ai déjà. Bon, évidemment, ce Pokédex est mal foutu. J'ai jamais vu pire Pokédex de l'histoire. Mais on se tient au jus parce que je suis obligé de faire ça pour aller au fond du Pokédex. Voilà, donc j'ai déjà en amont capturé les légendaires. Comme ça, on va s'épargner l'ennui, hein. Voilà, parce que je les ai capturés à la Pokéball, il me semble. Donc, Pokéball ou Honor Ball, ça dépend si ça commence à rentrer. Donc, du coup, faut qu'on revienne là. Et je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire évoluer depuis le PC déjà. On va repartir du début, je sais que vous adorez ça. Voilà, vous avez vraiment le fin fond du Pokédex, hein, bravo. Donc, techniquement, il nous manque Lumivol, mais Lumivol, c'est peut-être violet. Je sais pas si. Il y a Monsieur Lumivol, c'est peut-être des exclus. Donc faudra voir au pire si on trouve un raid, peut-être. Nous avons Fouinard, Fouinard, nous avons sûrement le... Eyo, Hermon, hein. Il est là. Il arrive pas à la bourre aujourd'hui, hein. Il arrive pas à la fin du stream. Hein. Je vous ai vu hier, hein, quand j'ai coupé les streams. Hein. Je suis là sinon, c'est vrai. Je vais essayer de les capturer pour moi. Donc on a dit Fouinard, je sais pas me servir d'un PC, c'est vrai. C'est vrai, c'est totalement vrai, l'ergonomie de ce jeu est incroyable, là c'est faux. Frame perfect, mais à l'envers, exactement. Du coup, c'est que j'avais mis mon truc. Alors j'ai Fouinette ici, donc en vrai, bah, de toute façon on va stocker ça parce que ça va être un merdier. On va juste garder Patrick Gruel, hein, parce qu'évidemment c'est la légende. Hein. Voilà, Patrick Gruel. Patrick! Voilà. Du coup, on va faire. On a Fouinard à faire. Donc, on va s'en occuper de suite, hein, puisqu'on est là. Hein. Patrick. Ouais, Patrick. Ok, donc du coup. Allez, niveau 55. Combien il faut te donner de bonbons à toi? Voilà. Voilà, donc là, déjà, ça commence, on passe à 189. Voilà. Patrick Gruel, j'ai failli recracher le soleil. Oh putain. Bah oui, un jeu de mots entre Paragruel et Patrick Bruel, bien sûr. Hein. Bon, malheureusement, ce Paragruel est femelle, mais bon, ça marche quand même, on s'en fout. Hein. Parce que... Patrick! C'est les meufs qui gueulent, donc ça compte. Ah non, mais moi, les surnoms, quand je m'y mets, Ah, faut être accroché. Hein. Voilà. Ok, il va prendre hâte, je m'en fous. Merci à tous. Ok, donc Fouinard, c'est parfait. Hein, qu'en fait, je fais ça, mais c'est peut-être pas opti parce que je vais devoir re-checker le Pokédex. C'est ça qu'on est en train de me dire. Ah, mais il me connaît bien, hein, vous inquiétez pas. Hein, il connaît mes jeux de mots pourris, hein, vous inquiétez pas. Hein. Il les connaît bien. Ok, Fouinard, c'est bon. Donc ensuite, ah, bah, il faut Cap Humain et Capidextre. Capumain et Capidextre, alors le truc c'est que je sais pas où ils sont. Grenipio, on a bien Grenipio à faire évoluer. Ok. Bon, on va aller chercher Capumain, je pense. Ah oui, il y a Morpeko. Bon, on va partir sur Capumain et Morpeko. Capumain, c'est chez vous? Vous m'emmerdez, hein. Vous savez que vous m'emmerdez, hein. Enfin, c'est Game Freak qui m'emmerde parce qu'évidemment, voilà, les exclus Pokémon, voilà. Donc là. Techniquement, si je fais pas d'échange, il me faut les deux jeux. Non, enfin, même, il me faut pire que les deux jeux. Il me faut les deux jeux plus les DLC. Donc, 2 x 35 euros les DLC. Non, mais la cam, par contre, je suis pas tombé de ma chaise, donc tu te remets correctement, merci. Voilà. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Rampel, on s'en fout. Puisqu'on a Écarlate. Mais Morpeko, c'est aussi chez moi, hein. Je suis désolé, hein. Mais Morpeko, c'est ici ou c'est pas ici? Parce que vous m'avez dit sud-ouest, hein, moi, hein, il me semble. Hein. Après, on peut checker les raids aussi éventuellement. Alors que Pleine Plume Spectre. Je sais même pas où est le.
C'est le rocher là-bas? Morpeko, c'est chez moi aussi? Alors, le DLC 35 €, ça rajoute quoi? Ah ben, c'est deux DLC, des lags, des graphismes toujours aussi bien. Enfin, ça ajoute du contenu, nouvelle map, des Pokémon qui n'étaient pas dans la version normale. Et puis globalement, on l'a fini en combien de temps? On l'a fini en 4-5 heures, même pas. Hein. Le premier DLC. Ça vaut pas le prix du contenu, hein. Je vais être très honnête. C'est une catastrophe. Donc Morpeko, va falloir que je le fasse en raid. Cap humain, enfin Capidextre en raid. Bon, pour ceux qui n'est pas en raid ou sur notre version, vous êtes en train de me dire qu'en fait j'ai tout le Pokédex de Pokémon Écarlate, c'est ça? Après, ah non, mais je vais pas prendre le DLC sur Violet, faut pas déconner. Putain, mais non, mais ne serait-ce que pour aller sur le Pokédex, je suis obligé de faire Y, X et A pour aller sur le Pokédex. Et le Pokédex est catastrophique. Ça me paraît énorme pour un DLC. Alors, non. Je te garantis que... Non. Je trouve pas ça justifié. Mais déjà, le DLC d'épée bouclier, il devait y avoir au moins autant de contenu. Et était un peu moins cher quand même. Hein. C'était 15 €, c'était 30 € les deux, hein, je crois. Vous me corrigerez. Hein. Après, le DLC d'Écarlate Violet... Yassoub dans le chat par exemple, il a eu moins de 30 € parce qu'il a acheté sur. C'était sur Instant Gaming, je crois. Donc il y avait moyen de l'avoir moins cher en vrai. Mais je trouve quand même le prix. Surtout qu'il était annoncé depuis un moment le DLC. Merde, putain, j'ai fait ça alors qu'il faut que je regarde le Pokédex. Je vous jure, on va avancer. Hein. C'est cool. Mais c'est pour vous montrer que ergonomiquement parlant, c'est de la merde. Mais c'est au jus, hein. Donc du coup on a dit Cap Humain, je vais me faire foutre. On peut faire évoluer Grenipio. Ah mais j'ai pas Ludicolo. Tarinorm, on va se faire chier parce qu'il faut le faire évoluer par échange. On le trouvera en raid. Ok. Chrysapil. Est-ce que j'ai déjà des choses dans le PC en vrai parce que... Alors dans le PC, qu'est-ce que j'ai déjà? Donc déjà Fouinard. C'est bon. L'imagma, c'est bon. Là, je n'en ai pas besoin. Donc, il me manque le Pifeuil qui est là. Chrysapil, alors j'espère que c'est la pierre foudre. Là, on est bon. Ah, mais j'ai pas Mélo non plus. Tarinorm, on va se faire chier. Ah, Ludicolo, hein. Ouais, mais là, Ludicolo en plus. Attends. Ah oui, mais j'ai pas Ludicolo. Ah ben oui, mais c'est sur votre version. Ah mais non, mais je dis de la merde. J'ai capturé. Ben merde, attends. Je l'ai pas lui dit Colo. Ah si, j'ai lui là. Donc ça, c'est bon. Je fais le tri. Hein. Août, je crois que je l'ai. Donc Tarinorm, je pense qu'on va pas se faire chier. On va essayer de le trouver en raid. Parce qu'on a cette possibilité là que même s'il est exclu, par exemple Pokémon Violet. Il y a moyen de trouver des Pokémon en raid, bah, notamment Lumivol par exemple, Morpeko, ouais, d'autres exclus par version. Bon, ça c'est bien pour compléter le Pokédex. Heureusement qu'il y a ça. Et je pense qu'après il va falloir se démerder. Ouais, Melo, va falloir faire un œuf, on va se faire chier putain. Bon déjà, faisons évoluer tout ça. Alors, Grenipio. Combien il t'en faut? 3. Pas du tout, il t'en fallait 4. Merci à tous. Ok. Donc déjà, Grenipio. Bon, l'idée générale, c'est que je voulais en fait avoir un living deck, c'est-à-dire que je voulais par exemple Grenipio, Pifeuil et Tengalis, les trois pour refoutre mon Pokémon home propre un petit peu, parce que c'est un peu le bordel dedans, et mettre les Pokémon qui m'appartiennent dedans. Parce que je dois avoir des Pokémon qui avaient été issus d'échanges, mais j'aimerais bien avoir les Pokémon à moi. Dans la mesure du possible. Voilà, Pifeuil c'est bon. Trancherbe, oui, bien sûr. J'y avais pensé. Très bien. Est-ce que Chrysapil évolue avec la pierre foudre dans cette version? Ou est-ce que c'est bon? Parfait. Parce qu'on se rappelle sur Ultra Soleil et Ultra Lune,
Il fallait être dans une zone précise pour le faire évoluer. Un peu à Magneton. Mais c'est bien que la pierre foot soit possible. Ok, Lucanon, c'est bon. Sur une hulle. Ouais, c'est vrai que bon. On parlera pas de cette version. Bon, Ultra Soleil, Ultra Lune, qui devait être Soleil et Lune à la base, hein, évidemment. Ils ont sorti Soleil et Lune, qui était incomplet. Hein. Voilà. Et du coup, ils ont fait un complément, mais qui est une copie, qu'un copier-coller, voilà. Juste un patch, quoi, en fait. Bref, Tonnerre, bon, si tu veux, mais bon. Ah, mais c'est vrai que Lucanon, il a un move pool qui lui apprend des attaques physiques alors qu'il est nul. C'est une catastrophe. Et le dernier de notre équipe, c'est. Ah, mais non, mais je suis toujours dans les pierres, c'est une pierre O, hein. Très bien. Ah, le voilà, Ludicolo. Pour Hermoon, ça, hein, c'est cadeau, hein. Ah, c'est pour Ludicolo, hein. C'est moi qui régale, hein. Voilà, Ludicolo, c'est bon. Bon, c'est vrai que, quand même, Ludicolo, c'est BG, hein. Je pense que tout le monde ici est pour Ludicolo. Hein. Je pense que oui, tout le monde l'aime ici, en vrai. Ok, ça c'est fait. C'est fait, c'est fait. Donc, toi tu reviens là. Pifeuille, bon, il faudra que je fasse Grenipio. Ludicolo, il était dans la boîte Monsby. Et donc, va falloir qu'on se démerde pour le reste. Hein. Putain, il y a tellement de Plumeline, là, Chips, et le Chips de la VOD, là, il. Là, il en peut plus, là, il voit 4 plumelines sur l'écran. Il devient fada. Officiellement, c'est 4 heures de jeu, oui, c'est ça. Le spray de Ludicolo, il danse plus. Ah bah écoutez, restriction budgétaire de Game Freak, hein. On a mis le paquet sur la réalisation technique du jeu, c'est faux. Mais non, mais je m'en fous du Pokédex à 400, j'ai terminé. Donc 192. Donc Capumain Capidextre, ça fait 194. Morpeko, 195. Tarinorm 196. Ouais, déjà le Pokédex il est en train de laguer. Ah, mais j'ai pas Skelenox! J'ai pas Skelenox et j'ai pas. Oh, quel enfer! Skelenox, j'ai pas Funissir, Melo. Ok. Et c'est quoi le dernier? Il m'en manque un là, non? J'ai mal calculé mon coup. Ah, mais là, le Pokédex il est au bout de sa vie, hein. Oh, le jeu, oh, regardez comme le jeu ça lag. Mais je vous jure, hein. Même le Pokédex, il a pas envie. Oui, vous pouvez récupérer vos récompenses. Mais vous savez ce qu'on va faire? On va pas se faire chier. Alors, on va pas se faire chier dans le sens où Terraclope, tu viens ici. Mélophée, tu viens ici. Alors, évidemment, je sens que. J'ai pas un truc mal? Oui, si. Ça m'arrange. Je vous le dis, on va pas se faire chier. Hein. Où c'est que j'ai. Voilà. J'ai Médito. J'en ai pas un 6 étoiles qui traîne. Un 6 IV? Juste comme ça. Hein. 6 IV. Très bien. Voilà. Merci à tous. Voilà, donc là on va sortir du DLC. Sortez une nouvelle console. Putain, mais elle va sortir l'année prochaine, hein. Après, le jeu est. Bon, le jeu est codé avec le cul, hein. Je vais pas vous mentir, hein. Le jeu est. 40 minutes pour dropper un œuf. Oh putain, mais regardez comment ça lag. Oh, mais c'est impressionnant, hein. Non, après, je me dis que quelque part, si la Switch 2 sort, bon, on n'a pas forcément une nouvelle version de Pokémon. J'ose espérer que Pokémon Écarlate Violet arrête de laguer. Puisqu'on va partir sur une console quand même plus puissante. Après, sauf si c'est le jeu en lui-même qui est mal opti, hein. Et là, c'est le drame. Et là, Game Freak se fait incendier, hein. Encore plus que d'habitude. Donc, ouais. On va faire ça, on va faire les œufs rapidement. Non, non, la Switch Pro. Non, non, mais là on parle vraiment d'une nouvelle console, hein. Là, je vous parle d'une console. L'année prochaine, ça arrive fort à la nouvelle console. Switch. La Mix Z2, c'est possible. On sait pas, hein, en vrai, hein. Mais bon, ça parle de 4K quand même. Hein. Déjà. Vas-y, imaginez Écarlate Violet en 4K.
Ah, le téléphone, par contre. Un patch de Smash pour tuer ce constitue. J'avoue. Ok. Bon, bah, on va faire les œufs de ces trois-là. On va piffer, hein, parce qu'évidemment, j'ai pris les trois, donc on va s'emmerder fort. Hein. Voilà, hein, les œufs dans Pokémon. Hein. Pas de racisme ici. Hein. Que des faits. Hein. Pardon. Ah, mais c'est. Franchement, j'ai toujours pas changé ma coupe de cheveux. Hein. C'est. Comment perso. Un jour je le ferai, je vous jure. Non, mais réel, j'ai pas dû jouer au jeu depuis que j'ai fini le DLC, je crois. Ah, si, j'ai capturé les légendaires. Mais après, j'ai pas rejoué. Ça proc les œufs à 4, mais bien sûr. Mais par contre, voilà. Ce qui va en sortir, c'est un peu le pif. De toute façon, on est d'accord que Mélo fait. J'ai rien à craindre, ça va faire Mélo. Hein. Ah, mais il y avait qu'un seul œuf. On va piffer, hein. De toute façon, il faut Mélo, Funessir, Skelenox. J'étais à 192, hein. Capumain, Capilex 197, Morpeko 198. Attends, il m'en manque deux là dans l'histoire. Là. Qui c'est que j'ai pas compté? Tarinorm. Et. Il y en a un que j'oublie. Bon, on reverra ça. On verra ça. C'est ce que c'est 200, hein. Acheter une poule pour les œufs. Bon, ouais, écoutez, hein. Surtout que là, techniquement, je vais pas en faire 3 parce que s'il faut, j'ai pas l'œuf de Mélo, ou j'ai pas l'œuf de Skelenox, ou j'ai pas l'œuf de Funicia. Parce que là, c'est l'entièrement du pif. Là, j'ai mis les 3 dans le truc. Donc, Métamorph, il s'accouple avec celui qui l'a envie. Hein. Voilà. Non, mais faut le dire. Voilà, c'est un peu petit bonheur à la chance. Ça aura mal entendu, ça fait frotti-frotta avec n'importe lequel, quoi. Ou à plusieurs. Wait. C'est pour ça que j'ai mis 3 mal, c'est pour éviter d'avoir des embrouilles. Hein. Ou les trois en même temps. Exactement. Non, mais c'est ça. Exactement. Bon, heureusement qu'on a mis le niveau 2. Bon, techniquement, il faudrait mettre un Ditto étranger pour que ce soit plus efficace. Oh. Flemme. Je crois que c'est déjà le Ditto de ma version violette. Donc, déjà, c'est un Pokémon d'échange. Donc, ça devrait être plus efficace, techniquement. Voilà. En tout cas, j'espère que vous êtes passionnés devant ce pique-nique. Incroyable. Bon, j'en fais un dernier et on va se dire qu'on a les trois. Vous imaginez, on n'a pas les trois, je pète mon crâne, non? Bon, évidemment, on fait un aura œuf niveau 2 parce que aura œuf niveau 3, il faut des épices et c'est pas rentable. Donc, on fait des aura niveau 2 qu'on peut acheter dans cette ville. On achète la compote du fils! Si Funicia, je vais péter mon crâne, hein. Non mais par contre, il y a un shiny, c'est sûr, c'est faux. Bah j'y crois à mort, regardez. Bon par contre, évidemment l'opti... évidemment l'opti, c'est que les œufs sont n'importe où. C'est un cauchemar. On s'est rangé à la zeub, hein. Je vous jure. Hein. Non, par contre, j'aurais pu mettre un... C'est pas Paragruel qui est corps ardent, quoi. T'as pas... Non, toi, non. J'en ai pas un là, non. Il est où mon volcaropode? Non mais en plus... Bon, ils ont quand même patché la boîte, hein. Faut le dire. Mon Paragruel, je t'aime beaucoup. Non mais voilà, typiquement... Là, c'est chiant pour choper les Pokémon. Fallait où les œufs. Ah mais j'ai fait que 5 œufs. Non mais c'est imperdable. Déjà, je fais des conneries. Putain, mais c'est chiant. Rien que ça. Mais rien que sélectionner des œufs, c'est chiant. C'est sur le bouton moins de la Switch. Donc on s'emmerde mais très fort. Voilà. Voilà, c'est parti. Donc, à vos pronostics, hein, sur les œufs. Bon, déjà, je vais même pas marcher. C'est fabuleux. Attends, je vais me mettre comme ça sera beaucoup mieux. Voilà, vous courez comme un abruti, hein. Ah, déjà ? Ah, c'est Mélo, ça. C'est rapide, c'est Mélo. C'est Mélo, c'est sûr. Je vous l'école, hein. Non mais c'est Mélo parce que ça éclot vite, hein, Mélo. De mémoire. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Voilà, s'il y en a un autre qui éclot, c'est Mélo. Hein.
S'il y en a un qui éclos direct là. Bon, Amelo, c'est bon. Ok, j'ai Camelo. Ah, quoique faire. Ah, c'est bien parti, hein. C'est très bien parti. Fais pas le con Nintendo, hein. Ah non, j'aime pas trop beaucoup ça. J'aime pas ça. Un troisième mélo peut-être? Attention, attention! Le gros lot! Oh la triplette, oui! Oui madame! Non mais par contre, dis-moi que j'ai un Skelenox et un Funicière. Là ce serait banger. Hein. Attention ce suspense. Aïe 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 aïe. Est-ce que c'est le carré de mélo? Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Le suspense est insoutenable. Aïe aïe aïe. Et c'est un mélo, bravo à tous. Bravo à tous. Est-ce que nous allons avoir... Est-ce que vous allez en avoir 5? Eh non, quel dommage, voilà. Bon, mais c'est Funicio Skelenox, hein, maintenant. Il n'y a plus de suspense, hein. C'est terrible. Bon, au moins, on sait le dernier qu'il faut faire. Hein. Non, mais c'est incroyable. Hein. Et on a passé une demi-heure à choper les Pokémon. Hein. C'est fou, hein. Ah, vous aviez presque fait le combo, hein. Non, mais 4 mélos, par contre, c'est pas la chatte! Ok, bon, c'est Funicière. Bon, bah, et du coup, on va faire Skelenox. Et après, je crains que nous devions checker les raids. Bon, évidemment, on peut pas relâcher les Pokémon. Donc, ça m'emmerde. Il est où mon Mélophée là? Là. Donc il faut reprendre Skelenox. On s'emmerde. Hein. C'est reparti. Bon là du coup il m'en faut un seul donc on s'en foutière. Hein. Oui parce que j'aurais pu aller le chercher dans la nature. Hein. Mais grosse flemme. Ah mais j'ai lui mis le deux destins en plus. Donc Melo il a les IV. Hein. Bon il en suffit d'un en vrai. Hein, donc voilà. Vous avez vu il y en avait un dedans. Ben voilà. Ok. Il y a eu un lag. Hein. Ah mais le jeu hein. Ok. Du coup, reviens ici. Je vais en vrai je fais ça mais je vais les remettre à leur place parce que là c'est le bordel. C'est le bordel. Ok. Mélo fait, t'étais ici. On fait ça bien. Merde, Skelenox, il était où ce con? Non. Et Lugulabre, il était là. Et Skelenox, il sera ici. Ok. Bon, du coup, je suis un peu sage pour le fait que les exclus, hein. Mais bon, on checkera les raids en ligne. Hein. Et pour bien sûr ne pas arriver à les join parce que ça encore, c'est bien foutu, ça aussi, hein. Et s'il faut imaginer, c'est un mélo. Le mec il pète son crâne, hein. C'est impossible. Hein. Mais comment il court? Bah, regardez comment il est le PNJ, enfin le perso sur Coraidon. Il fait ça. J'ai bien pris l'œuf avec moi, hein, rassurez-moi. Hein. Ah oui. Ah mais il jump totalement. Hein. Là, il fait un peu comme. Comme Jim Carrey là, dans le Saturday Night. Du coup maintenant j'ai l'image de Jim Carrey sur Coraidon, mais bon,
Voilà votre jus d'orange. Ok, Skenox, c'est bueno. Ça n'est trop en fumant, pourquoi t'es obligé d'avoir ça comme véhicule, putain. Mais t'as pas vu Miraidon, hein, c'est littéralement... c'est pire, hein. C'est pire. Mais Miraidon, c'est pire que ça, hein. Je t'invite à le regarder, mais... Ok. Donc là, du coup, si je check un peu... Putain, mon Pokédex, qu'il faut faire Y plus X plus direction plus A plus mon sbi. Nous sommes à 195 Pokémon. Et je déteste ce Pokédex, t'as énorme. Morpeko, 197. Capumain, Capidextre. Non, mais attends, il me manque un... Ah ben oui, Lumivol. Ah, c'est que des exclus. Non, Coraidon, ça va encore. Miraidon, c'est littéralement une moto. Hein. C'est littéralement une moto. Je dénonce. Hein. Je dénonce. Attends, on va faire ça au passage. Ok, vous recevez une dose de PP Max. Tout ça pour 190 Pokémon. Mais voilà. C'est l'idée. Hein. C'est l'idée. Bon, du coup, on va partir sur la recherche de raid, en vrai. Parce que, voilà. Il me faut Lumivol. Oui, parce que c'est Musiole que j'ai. Lumivol, c'est le bleu. Est-ce qu'on en a un, là, qu'on peut tenter? Pas du tout. C'est un coche. Oui. Bon, il faut regarder en bas, il faut regarder les icônes bleues, mais bon, ceux-là, je les ai. Mais pourquoi l'aléatoire, il est masqué? J'ai même fait aucun raid qui me casse le fion. Bon, en vrai, du coup, je vais checker les miens, parce que... On va revenir à... Ah, mais j'ai pas le truc de vol, ici. Très bien. Bon, je vais juste aller... sur la map en attendant que ça recharge. Après, je pourrais faire un aléatoire, mais bon, la proba que j'ai ce qui manque. Bah, du coup, je sens que si je fais comme ça, d'ici la fin du stream, j'ai pas la fin du Pokédex. Hein. Dans le pire des cas, Soap, si genre à 10h20, j'ai pas ce qu'il faut, si tu veux qu'on fasse les rotations. Comme ça, je fais les... Je finis le dex comme ça. Je vais quand même regarder dans les raids hein, si jamais j'en trouve pas. Ça on va faire comme ça, plus en plus on va faire les ressources. Est-ce que là ça a rechargé? Pas du tout. Mais genre je vais me faire foutre. Ah mais c'est parce que j'ai pas actualisé le. Ah, j'ai pas fait le ça là. Parce que du coup vu qu'il y a les raids Rampel et compagnie, ça j'avais pas fait. C'est peut-être pour ça que j'avais pas actualisé le truc d'actualiser. Ce qui est complètement con, hein, mais... Nintendo, quoi. Ok. J'ai le droit de charger le jeu, ou c'est comment? Je suis connecté, hein. Ah, quand même, je suis pas actualisé, merci. Le jeu, voilà. Ah, typiquement, ben, voilà, les raids... Hop là! Bonjour à toi. Bonjour. Et là, il a... Voilà, là, typiquement, c'est que si... Là, en fait, le raid, il a quelqu'un en particulier. Donc, en fait, si je peux pas le join, je peux pas join de raid énorme du pif qui traînerait sur le net. Au contraire des raid event, où là, par exemple, il y avait l'event Mewtwo. Tu cliquais dessus, tu finissais forcément par en rejoindre un parce que ça te mettait sur un random de Mewtwo n'importe où dans le monde. Et là, typiquement, ça met 10 ans pour me dire que je vais pas pouvoir join le raid. C'est bien foutu, non? Voilà. Et donc, Tarinorm, j'aurais pu le join. C'est non. Mais c'est totalement non. Donc là, bah, je vais attendre que ça charge. Mais parce qu'en plus, le aléatoire, il est... Mais pourquoi il est désac, le aléatoire hein? J'ai fait une sale manip? Non, mais c'est pas possible, j'ai rien fait. Le aléatoire, il est... Attends, mais si je me déco et que je reco... Attends. Non, parce que normalement, l'aléatoire, même lui, il se recharge, hein, donc... Oui? Allô? Si t'as dodge, j'ai un aléatoire. Ouais, mais j'ai pas... Je l'ai pas fait... Entre-temps, j'ai joué à Mario Kart entre-temps, donc en fait, j'ai pas... J'ai pas changé l'heure du jeu. Vos tutrices, j'en ai rien à foutre.
Non, parce que là, typiquement. Je comprends pas. Hein. C'est mal foutu. C'est du time game. Mais oui, mais là, même. Non, mais normalement, le temps, il me le remet au bout d'une minute. Hein. C'est ça que je veux dire, en fait. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Parce que là, je tenterais bien. Je tendrais bien un raid, hein. Putain, mais mort Péco, je vais pas pouvoir le chasser. Vous êtes en train de me dire, putain, mais ça me fout le seum, je suis en train d'y penser. Hein. En vrai, je pourrais faire. Vos tutrices, c'est un Pokémon qu'il faut faire pour les épices, en vrai. Vas-y, je vais faire un raid, s'il faut, ça va débloquer le Schmilblick, mais là, c'est peut-être trop tard pour le join. J'ai trop tardé. Et parce que du coup, je m'étais fait une petite liste, j'ai vu qu'il y avait des Pokémon intéressants à faire. C'était. Ronflex, Paragruel, Noctuynoir, Vaututrice en 5 étoiles, Ronflex, Paragruel, Tartare en 6 étoiles. Parce qu'ils peuvent donner plusieurs épices en fait. Ok. Bon, Vaututrice aurait été bien. Les épices, hein, pour expliquer à Hermoun s'il est encore là. Les épices en fait, ça permet de faire des sandwichs qui augmentent les probabilités d'avoir des shiny. Voilà, j'ai une mécanique du jeu. Ah ben voilà! Ah non, mais j'ai toujours pas le aléatoire. Il faut que je fasse un raid, je pense. Oh, il y a Tsarina. Mais il n'y a pas ce qu'il nous faut. Bon, vas-y, on va. En vrai, on va essayer de. Ouais, tu peux faire des sandwichs pour plusieurs types de Pokémon. Pour tous les types. Ah ben voilà! Il est réapparu l'aléatoire. Mais il a mis le temps, hein. Bon, du coup, on joinera pas Rubombelle, hein. Osef, hein. En même temps, Osef, un peu. C'est Rompichetière. Oui, Tsaréna, je l'ai vu, Tsaréna. Tsaréna qu'on adore ici, hein. Du coup, Sucrène en français. Voilà. Mais là, typiquement, voilà, ça met 10 ans pour te dire. Ah, il fait pas rejoindre le raid, hein. Mais c'est con, hein. Voilà. De toute façon, hein, Nintendo, enfin Game Freak et l'ergonomie, hein, vous voyez la gueule du Pokédex par exemple, les fonctions en ligne, ça a toujours été une catastrophe. Super. J'ai vachement envie de faire Amigalos. Est-ce que je peux recharger? Jeff, faut attendre une minute avant de recharger. T'as que 8 choix. Ça me fume, hein, franchement. Hein. Oh non, mais après, les raids épée bouclier, c'est une catastrophe. C'est une cata. En plus, le Sucrène, il est sur la version violette. Et pas sur le DLC. Il y a Tartare intéressant. Mais non, mais Tartare, c'est pour le. Merde, il est intéressant, mais qu'en 6. Bon, on va quand même le faire s'il le propose. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, Hermon. C'est ça. Une étagère, mais que voilà, tu te démerdes en fait. Elle est pas, il y a même pas le, enfin si, y a, pardon, il y a un truc de tri, mais tu t'emmerdes fort quoi. Alors du coup, où sont, voilà. Mais pourquoi, hein? Mais non, mais c'est pas le bon ça. Attends, mais j'ai un Azumarill qui se traîne le. Attends. Attends, mais mon Azumarill? Putain, mais mon Azumarill, je lui ai jamais donné les bonbons? What? Il faudrait que je me renseigne ça parce que c'est bizarre. Hein. Putain, mais attends, mais. Mon Azumarill, il a pas les idées? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je regarderai ça en off, mais ça me paraît curieux quand même. Hein. Est-ce que c'est pas un bug? Ben, c'est pas vraiment rassurant, non, parce que. Non, c'est pas possible. Hein. Bon, ça va, j'ai un type psy, donc. Bon, après, Azumarill, c'était mieux parce que ça résistait au type combat et au type eau de Tartare. Mais bon, niveau 5 étoiles, ça devrait être suffisant. Voilà. C'est parti. Hein. De toute façon, il y a un Azumarill en plus dans le club. Donc il va lui régler son compte.
Il prend que ça sur... Voilà. Donc voilà, les raids 5 étoiles, les Pokémon sont niveau 75 hein, en face. Quand on les capture aussi. Quand ils sont 6 étoiles, ils sont niveau 90, mais tu les captures niveau 75. C'est la difficulté et les IV qui changent. Après, hein, c'est peut-être un Azumarill aussi qui s'est fait sucrer les IV, peut-être. Hein, du coup. Bon, du coup, j'aurais dû me focus, j'aurais dû commencer par Psycho, 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 parce que j'ai le Métronome. Buée noire, m'en fous. M'en fous, Palu. Ça me change rien pour moi. Après, il donne sûrement des épices. Mais c'est le 6 étoiles qui est plus. Oups là! Oui, on va Terra Crystal. Bon, Terra Crystal, c'est la mécanique hein, du jeu. Hein, voilà. C'est chaque Pokémon a un type de Terra Crystal qu'il peut utiliser. Alors, tu peux l'utiliser qu'une fois. Hein. Enfin, tu peux l'utiliser que sur un Pokémon de ton équipe. Et tu prends le type du Terra Crystal. Donc là, en l'occurrence, Oupa devient juste Psy au lieu de Psy Ténèbres. Et évidemment, les attaques sont déjà ben, stabées et tu tapes plus fort sur le type du Terra Crystal. Ce qui est très fort. Et qui a failli être banni de la strat Smogon d'ailleurs. Ok. Bon, comme ça va vous permettre de regarder un autre raid. Bon, il est 15, je vais. On a dit jusqu'à 20. Et il m'a rien donné, ce chien. Merci à tous. Bon, c'était prévisible. Hein. Bon, j'espère que les musiques seront pas embêtantes pour le. Bon, normalement, ça doit pas être DMCA. Pour la VOD. Ok. Pas d'épices, non, évidemment. Et pas de pistes non plus. Poképortail, encore une fouée. Encore une fouée. Est-ce que j'ai. On avait Tarinorme qui était apparu, putain. Noctunor m'en fout. Putain, non mais. Voilà, mais déjà le problème c'est qu'on peut pas filtrer par Pokémon. Putain, mais ça c'est. Tu te dis, putain, mais il y a un mec qui a lancé lui. Ah, je veux join lui. Il y aurait beaucoup plus de gens sur les raids, hein, je vous le dis. Hein. Je vais pas faire Florge, il m'intéresse pas Florge. Donc là, on est obligé d'attendre que ça charge. Voilà. Mais sinon, j'espère que ça va vous. Tranquille, hein. J'espère que ça va chill tranquille, beau gosse. Hein. Mais déjà, le aléatoire, mais vas-y, là. Il déconne, là. Mais d'ailleurs, attends, ils ont annoncé les raids, mais il est pas encore dispo, le raid de Rampel et. Et Monsby là, rappelle les tête de. Non, pas tête de fer. C'est ce week-end? Ah, c'est ce week-end, ah ouais. Donc ça veut dire qu'il y a des slots qui vont être pris juste pour ça, quoi. Super. Et parce que pendant les events, les slots d'en haut, ils sont pris généralement, hein, pour. Donc tu peux faire les raid events tout le temps. Du coup, t'as que 4 slots en bas, quoi, globalement. Ok. Bon, ça charge, hein. Faut que je sois un peu à la frame. Donc, techniquement, il faudrait faire le Ronflex pour les épices. Ouais, tu sais quoi, vas-y, on va faire le Ronflex, là, vas-y. Parce... Et prépa... Ouais, mythe de fer, merci. Du coup, je pense que tu peux te préparer, Soap, on va faire les échanges. Tu les as tous ceux qui me manquent ou pas? Ok. Bon après même cas si t'as juste Capuma, hein, je me démerde pour Capil extra. Donc après si tu les as. Après on fait un aller-retour hein. Non mais on fait des allers-retours, t'inquiète. Bon déjà c'est bien parti pour Ronflex donc Ah non, vous voulez pas me donner Morpeko, hein, je suis déception. Bon, ok, vas-y, on va faire ça. Échange en réseau. Oui, c'est bien. Vous connaissez le code, hein. Si on n'est pas là pour.
connaissez le code, hein. Ce qui est pas du tout ma date d'anniversaire, hein. Je suis né en 2003. Je suis né le 19-90 en 2003. Vous, c'est le 19. Très drôle en tout cas. Ah, mais t'es, je sais comment on va faire les allers-retours. Ah, c'est con, hein. Ah, cette musique, elle est trop bien. Oh, il est stylé, Morpeko Shiny. Oh, j'adore cette musique de XY. Oh, je me rappelle jamais le nom de la ville. Non, c'est pas Frimapic. Non, Frimapic, c'est dans la 4G. Putain. Le prodige de Bondy. Ah, mais j'ai pas vu le surnom de ton Morpeko. Merde, j'avais pas appuyé sur le bouton. Je suis une merde? Oui. N'est pas content, triplé, hein. Triplé. Après, Morpeko, je l'avais déjà vu dans les raids, mais j'ai pas pu les join. Donc, du coup, je l'ai pas capturé et je pensais que j'aurais pu l'avoir. Mais... Je savais pas que c'était une exclue. Pokédex, il a changé. Ouais. Mbappé, ah putain, oui. Putain, oui, c'est vrai en plus. C'est vrai. Bravo. C'est Mbappé. Il est en roue libre, hein. Bon, je vous le rends, hein, parce que bon... Ah, vous avez tout mis au max, vous. Même la taxe P. C'est beau. Il est build. Mais il est pas joué en attaque SP, pourquoi augmenter... tu as donné une capsule d'or. Après, faites ce que vous voulez, hein. Faites ce que vous voulez de votre argent, hein. FX. Ah, FX, il faut qu'il soit 6IV, quoi. Exactement. C'est bien vu, hein. Et du coup, si vous avez un Shiny qui a des IV dégueulasses partout, c'est Maguire, c'est ça? Ah merde, je vous ai pas envoyé le lien pour ça d'ailleurs. Un jour j'y penserai. Hein. En plus, j'aurais pu y penser hier, vu qu'elle est que stream et Master Duel du Yu-Gi-Oh, j'aurais pu y penser quoi. Mais pas du tout. Je vous refile cap humain. Hein. Vous m'avez dit que vous aviez capi d'extra. Hein. Tii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 
Tiri, moi je suis sur le bouton A depuis tout à l'heure, hein. Je refile tout moi. Bon, du coup, on va avoir le temps de faire un ou deux raids de plus en vrai. Hein. Faut que j'aille voir un PNJ pour le. Le. Comment? Le charme ou pas? Faut que j'aille voir le prof, non? Ou faut que j'aille voir. Pas le prof, oui, je te dirai, d'accord. Il va me rester Lumivol. Et je crois qu'on va être bon, non? Ou j'en oublie un? Oh, le Lumivol. Ah, celle-là, elle est bien aussi. 5G. 5G, hein. Je dis pas une connerie quand même, hein. Rassurez-moi. Hein. On est bon? Ok. La 5G, hein. 5G, c'est banger, hein. Ok. Merci monsieur en tout cas, hein. Je vais vérifier qu'on est bon, mais normalement. Oh, et en plus je dois garder votre Lumivol. Oh, il est terrible, hein. Je vais le faire strat. Hein. Pas du tout. Ok. Pokédex. Et nous sommes bien à 200. Bravo à tous. Merci monsieur. Ok, la Moon Ball. Cette grande épopée deviendra sans doute un trésor inestimable à vos yeux. Vous avez bien mérité un diplôme pour honorer cet exploit. Retrouvez-moi Jacques dans les hautes herbes du sentier de la liesse. Bravo! Vous avez complété le Pokédex de Septentria. Merci à vous. Vous voyez où Jacouille, hein, du coup? Le sentier de la liesse, c'est où? C'est là? C'est dans la ville, non? Non, c'est pas lui. Mais il est où votre pote? Il est dans cette ville au moins? Il est à droite du Poké? Attends, mais je suis du père. Je suis du père? Il est à droite du pont. Ah, mais il est au pont. Ok. C'est ce pont-là, moi. Ah oui, si! Ouais, ça y est. Bonjour, et regardez cette récompense incroyable pour avoir chopé les 200 Pokémon du Pokédex de Septentria. C'est pour vous, YouTube, hein. C'est pour vous. Comment se passe le voyage scolaire? Monsieur Jacques! Bonjour. Je suis venu voir comment tu t'en sortais, c'est ma responsabilité après tout. J'ai décidé d'en profiter pour faire quelques recherches, hein, ouais. Ah oui, l'œuf, c'est vrai. Bah, du coup, moi j'ai. Qu'est-ce que j'avais dit que j'avais d'ailleurs? Ah, le Pokémon de feu, je crois. Parce que j'ai pris Flamand. J'ai pris le crocodile. Hein. Le chochodile. Ok. Regardez YouTube. Il va nous donner un œuf et un objet incroyable pour avoir complété le Pokédex. Le charme chroma. Wait. Voilà déjà. Un œuf de Gloopty! Attends, là on parle de sandwich, donc Coraidon il va venir bouffer un sandwich, hein, je vous le dis. Hein. Je ne peux qu'admirer les gens comme toi qui parcourent le monde pour leur chasse au trésor. Ouais, bravo Jacques. C'est Jacques! C'est beau mais c'est loin. Hein. Manger des pommes, manger des pommes. Quelque chose dans le panier. Un œuf de Gloopty! Pas du tout. Tada! C'est un œuf de Pokémon! Oh, dis donc, c'est pas vrai! Dites-moi pas que c'est pas vrai! Et tu vas voir que cet œuf est shiny. Comment ça se fait? Tu sais pas comment on fait des œufs d'un Pokémon? Ah, si. Ah, quel petit filou, ce professeur Jacques. Et Jacques Chirac, quelque part. Hein. Il a les mêmes lunettes, hein. Un œuf de poule. Ah, c'est mal lu, hein. Un œuf, bravo!
Ils auraient pu mettre un charme pour que les œufs apparaissent plus rapidement, hein, comme dans les versions précédentes, finalement. Mais bon, malheureusement, YouTube, ce n'est pas ce charme-là qu'on va nous donner. Est-ce que tu continues d'utiliser l'appli Pokédex? Oui. Sache que tous les Pokémon que tu captureras ici. Oui, mais frérot, je l'ai complété le Pokédex. Ouais, il est terminé, regarde. Ouais, en fait, t'aurais pu me donner l'œuf bien avant. Hein. Ouais, c'est bien. Comment vas-tu? Ouais, je ne sais pas comment je vais. Je sais l'objet qu'on va me donner, je ne sais pas très bien. Je vois que tu as attrapé 200 espèces différentes, ça mérite une putain de récompense. Pas du tout. Mais tu as trouvé toutes les espèces. Cela signifie que ton Pokédex est entièrement rempli, c'est fabuleux. Grâce à toi, je sais désormais tout ce que je voulais savoir sur les Pokémon de Septentria. Et j'ai un cadeau d'une valeur inestimable. Pas du tout. Toujours pas. Ah si, je sais. Voici un souvenir que j'ai acheté au Septentrion. Apparemment, c'est une édition limitée. Le charme éclatant, ça veut dire que je peux avoir encore plus de shiny. C'est absolument faux. Ok, mystérieux charme éclatant qui permet d'obtenir davantage de Terra Éclat lors des raids Terra Crystal. J'espère que c'est bien rentable quand même, hein, en vrai. Une mise à jour qui permet aux personnes. Je vais te l'installer. Qu'est-ce que c'est que cette mise à jour? Genre un Pokédex utile, pratique? J'y crois pas du tout. Ah oui, 10 de plus environ. Ah ouais, c'est bien quand même. C'est bien. Ah ouais, c'est ça le diplôme? Ouais, il est stylé. C'est nos plus sincères félicitations. Non, par contre, c'est ça la fonctionnalité du Pokédex? Je vais me faire foutre. Je vais me faire foutre. Tu as beaucoup à avoir complété un Pokédex, ton voyage scolaire n'est pas terminé pour autant. Évidemment, parce qu'il y aura le deuxième DLC cet hiver. Hein. Sûrement en décembre d'ailleurs. J'espère que tu vas continuer de rencontrer des têtes Pokémon ici et choper un Morpeko Shiny. Il n'est pas dans cette version! Merci. Eh bien, c'est avec ceci. Ah, bah tiens, on va faire avec Chlorluff. Mais par contre, pas ici. Il pleut, plus ça lag trop. Oh non, mais même la map, elle lag. Au secours. Mais lag. Ça lag fort. Hein. Voilà. Ça, c'est votre jeu, Game Freak. Hein. Pensez-y, hein. Je prends l'avion, hein, je m'envole, bisous. Hein. Bon, fais les clore l'œuf et on conclut là-dessus. Imaginez l'œuf et shiny, je pète mon crâne. Bon, je sais normalement ce que c'est, mais bon. Ce sera pas shiny, hein. Ça va être shiny lock l'œuf, j'imagine. Parce qu'ils aiment pas le fun. Bon, en même temps, s'il était shiny. Enfin, si c'était pas shiny lock. Ça serait quand même chiant à chasser, hein. Il y a des gens qui. Il y en a qui s'emmerderaient à faire ça, hein. Genre, t'es obligé de te taper le dialogue de Jacques pour récupérer l'œuf. Et après le faire éclore. Oui, je l'ai sur moi, l'œuf. Mais ça prend un peu de temps parce que. Bah, parce que c'est un starter. Ouais, vous êtes mauvaise langue, hein. Alors, regardez. Un petit shiny, là. Shiny. Le petit Wistikram! Bravo! En plus qu'on va pouvoir jouer avec le talent caché, point de fer. Pour tabasser sa mère, merci à tous. Ok, bon bah écoute, on va s'arrêter là. Hein. Est-ce qu'il a le talent caché en vrai? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais en même temps, hein, fallait s'y attendre. Alors, faut un patch talent. Faut jouer au jeu. Voilà. Bon, des bisous YouTube, j'espère que tu as apprécié cette petite matinale tranquillou. Rendez-vous demain sur Master Duel pour ceux qui regardent les VOD. À bientôt!